Paris, it's one of the rare capitals in the world where you may walk and see the whole center of the city. Alors, rive gauche, il y a plein de choses à faire, que ce soit du point de vue de la restauration, de l'hôtellerie, des musées. Il y a beaucoup de galeries dans Saint-Germain-des-Prés. You have markets everywhere. You have all those cafés, outdoors, with terraces. There is all this history. It's said to be the romantic city, it's an artistic city. It's a city where the art of life do exist. The idea of Cartier-Bresson was that this foundation should be an open door. So we show 3 exhibitions a year. And also, of course, the foundation keeps all the archive of Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson had been a genius in the 30s. He has invented a lot of things in photography. It's much better to show photographers that are also inventors today. La Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'est un lieu qui est consacré à la création contemporaine, expose à la fois des jeunes artistes qui trouvent là pour la première fois une exposition d'envergure à Paris. Et puis on s'intéresse aussi à des artistes, à des problématiques qui sont un peu en dehors de l'art contemporain. Par exemple des artistes qui sont connus pour leur travail de cinéaste comme David Lynch ou comme Takeshi Kitano, mais dont on présente une autre facette de leur travail, donc soit de photos, soit de dessins, soit de peinture. Voilà, donc c'est sûr que tout ça est aussi une source d'inspiration. This shop is here since 1834. It's the third generation of umbrellas, power cells and walking stick. Everything is handmade in France. We use crazy material. The thing that's exciting for me is to mix it. It's to mix cheesecloth with mink, with Swarovski crystal. Everybody can't imagine we can do that in umbrellas. And of course it's possible. Le macaron est un petit gâteau composé d'un biscuit et d'une garniture. Dans les macarons, il y a des classiques. Il y a également des macarons qui sont saisonniers ou temporaires, qui sont ou des nouvelles créations. Et là, en ce moment, on trouve un macaron truffe blanche et noisette, un macaron chocolat noir et foie gras. Voilà, donc ces 8 autres macarons changent régulièrement au courant de l'année. This store has been here for close to 100 years. The company used to be the royal wax manufacturer and catered to Louis the 14th, the 15th, the 16th, and all the way through Napoleon. People from around the world shop in this store that is recognized as a traditional place in Paris where you can find something that is authentic and is handmade in France. You are in Un Dimanche à Paris. It's a concept store around the chocolate. We are very famous for our hot chocolate, or in summer the chilled chocolate. A very good hot chocolate, first of all, is made with chocolate and not with cocoa powder. So it's only chocolate, milk and cream, which makes the taste absolutely wonderful. Semiya is a very casual gastronomic restaurant. Now we are working on a new trend named bistronomy. It's a mix of gastronomy and bistro. We're focused on fresh products, seasonal products. Everything is homemade. The real Semiya experience is based on sharing. We have a small dish and we have a dish for 2. La plus grande institution basque de la place de Paris. Et je voulais un lieu atypique, où on pouvait faire une palette de gastronomie très large, que tu peux arriver à manger une belle côte de bœuf. Et également, tu peux revenir le lendemain et tu as envie de te faire un menu gastronomique, voire un menu 3 étoiles. C'est de faire descendre la haute gastronomie au monsieur tout le monde. Toi, hier, on a fait une gelée de pain grillé, pain brûlé. J'ai pris du pain, je l'ai carbonisé, de l'eau, du thym, du laurier, de l'ail séché, c'est tout. C'est ça aussi qui est intéressant, de pouvoir créer au final quelque chose qui te paraît super simple quelque part, mais en amont qui est extrêmement complexe pour avoir un équilibre pur. C'est ça Paris, parce que Paris, voilà, tu peux, jour et nuit, tu peux vivre de différentes expériences, différentes vies, différentes choses. Et voilà, le truc qui fait que, c'est que les gens ils viennent se faire plaisir, et voilà, être bien. C'est eux qui nous rendent grands.